j'avais fait une route spéciale. Ah bah il manque un. Voilà. Voilà. Donc en gros, c'est ça. D'après ce que tu m'avais dit. Yes, Hein? voilà. En gros, c'est ça. Ouais, tout à fait. Hein? On va vers Étampes, on repasse au Voilà. nord de Montargis. Voilà, Étampes, c'est là. Montargis. Montargis, Il est juste à gauche, là. voilà. Voilà. Et ensuite, voilà, c'est là. Voilà, c'est ça. Sachant aussi que là, après, tu as Là, j'ai un point, Pont-sur-Yonne. là. Pont-sur-Yonne, ouais, il est là. D'accord, On il peut est le là. survoler, il Ah, d'accord. n'y a pas de problème. Là, en VFR, vous déposez pas de plan de vol, vous Non, avez rien à faire. non, non. À moins vraiment que les conditions soient pourries, qu'on ait des Pour doutes. sécuriser. Oui, voilà. Hein? Donc, Là, on mettra bip, là. hein? On mettra bip, là. 21 gallons, c'est bon. Donc, on est très bien. Ouais. Au décollage comme à l'atterro, on est très bien. Le passager arrière monte là. Okay. On n'y va pas tout de suite, hein, on va faire Okay. l'encours de l'avion. Et on a bien des éclaircies, ça se dégage. Ouais, c'est bien. Et je pense qu'on va avoir un peu chaud même. Bon, en vol, ça va? Ouais. Ouais, on vole, ça va. Bon. Gentiment mais sûrement. Pas besoin, peu de nave. Volet, pleine course, c'est take-off. Pleine course, take-off. Allez, c'est parti. Parti. Alors, halte 1500 pieds. Voilà. Fox Delta Novembre, suivez le passage ODA 40 sortant de votre taxiway, puis roulez point d'arrêt piste 08 dur, rappelez prêt. Autorisé atterrissage piste 08, gazonné, vent 290 degrés, 3-2, légère composante arrière. Idéal ça. Allez, c'est parti. Oh. La puissance, le badin est actif. Et nous voilà partis. Et nous voilà partis. Maintenant il va suivre la ligne. Non, là il est en leading, hein. Je vais aller le chercher. Voilà, la gare de Gretz. Belin Tour, Fox, Delta Fox, bonjour. Fox Delta Fox, Belin Tour, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est un DA40 Fox Hotel, Papa, Delta Fox, 3 personnes à bord. Au décollage de Logne pour un vol local dans le sud de la région parisienne. On arrive 1500 pieds, le point novembre, pour transiter dans la CTR sur Mike Lima Novembre. Fox Hotel Papa Delta Fox, identifié radar, transpondé 340, unité transit approuvée, QNH 1018. QNH 1018, transpondeur 3401 et le transit est approuvé, Fox Delta Fox, merci. Belin, Belin. Hein? Ah oui, ça y est, d'accord. Ah ok, avec les plus proches que je le pensais. Ah oui, on y est tout de suite, on y est tout de suite, ouais. Oui, c'est rapide en fait quand tu passes par ici. Hein. Mais là, on est quand même à 122 nœuds, hein. Claire. Ça va relativement vite. Voilà, là on est bien. Entre 1500 et 1400 pieds 1019, on va à destination de Nangy et on vient de Granville, novembre 64, je sais. Novembre 74-13, Juliette, identifié radar, un trafic aller... inconnu sud de votre position 3 nautiques, route opposée.
vais aller comme ça sur Sierra Mike, comme ça tu le verras mieux. J'ai un trafic 400 pieds haut et un autre altitude inconnue dans mon sud. J'ouvre l'œil madame, je transite très légèrement au sud de la ville en frôlant peut-être votre zone, très Juliette. Novembre 74-13, Juliette, transpondé 3402, transit approuvé, QNH 1018 et des planeurs au départ de Buneau. 3402, des planeurs au départ de Buneau, on ouvre l'œil. Et 1018 QNH, madame, merci. Fox, Delta Fox pour info, on sortira de la CTR par Sierra Mike. Delta Fox, rappelez en sortie. Reçu, on vous rappelle en sortie, Fox, Delta Fox. On va pas faire le crochet par la balise de Melun, on va sortir par un point qui s'appelle Sierra Mike qui est là sur la Seine. D'accord. Hein, comme ça on écorne un petit peu, hein, c'est pas la peine. Alors, là-dessus, il faut transférer notre fuel. On a 10 et 10, c'est bon pour le moment. Donc je vais attendre d'avoir 9 et 10 pour transférer de la droite vers la gauche. Parce que sur cet avion-là, on pompe toujours dans le réservoir gauche. Ok. On complète après avec le réservoir droit dans le gauche. D'accord. Donc il faut toujours surveiller qu'on soit bien équilibré régulièrement 10, le. Donc, ouais. C'est bon. Alors Sierra Mike, je suis bien dessus. Delta Fox, on arrive à Sierra Mike. Fox Delta Fox, transpondeur 7001, seule info disponible 134.3, au revoir. Avec seule info 134.3 et transpondeur 7000, Fox Delta Fox, au revoir, merci. Alors, transpondeur 7000, voilà, et 134.3. Seule info du 37.350, bonjour. Fraternité 4357, bonjour, espace aérien non contrôlé en dessous du niveau 65, la pratique connue à vous signaler, rappelez libérant. Donc on peut poursuivre la descente au-delà des en dessous du niveau 110, madame. 8350, c'est correct, la descente est votre propre responsabilité. C'est là-bas Fontainebleau, je crois. Bah, je vais descendre vers 3500. Gratuit, ouais. Attends, je suis 8350 pour info, activer des planeurs, prenez. C'est côté 8350. Scène info, Fox Delta Fox, bonjour. Fox Delta Fox, bonjour. Oui, bonjour madame, un DA40, Fox Hotel Papa Delta Fox, en provenance de Logne, et pour faire un vol local dans le sud de la région parisienne. On est 3 personnes à bord, on vient de quitter Sierra Mike, et on va faire route à plein ouest sur Étampes. Et on est à 1500 pieds QNH. Delta Fox, identifié 3370-30 QNH 1018, activité planeur à Étampes. Reçu, 70-30, 1018 le QNH, et on s'est bien pris pour les planeurs, on n'ira pas jusqu'à Étampes, mais on va circuler dans la région. Celle de Victor Eco. Ah, on va aller reprendre notre route. On a vu des installations de Pont-sur-Yon pour quitter. Victor Eco, 7000 et quitter, au revoir. 7000, Victor Eco, au revoir et bien. Voilà, on va aller chercher notre route. C'est l'info, Eco Bravo, pour autorisation de monter à 3 pieds, et sans confort. Tiens, Fontainebleau et le château là-bas. Voilà. Eco Bravo, pas de trafic connu à vous signaler jusqu'à 3000 pieds, QNH 1018. Merci, Eco Bravo. La Melun des Côtes, c'est bon, on va tourner à droite. Donc c'est Oscar Mec, évolution de la bientôt sans bord, on fait route vers lui. Reçu Oscar Mike. Eco Bravo pour info, la 10 en service à la prise. Ouais, faut on le voit bien le château en plus là. Voilà, là on va tourner. Alors je vais tourner à la main parce que j'ai overshooté ma route. J'enclenche passe au-dessus de, eh ben oui, bien sûr, l'autoroute, ça c'est sûr. Là, Jean-Luc, on était au-dessus de la forêt Fontainebleau. Ouais, j'ai vu. C'est d'ailleurs là qu'on voit bien les dénivelés, comme là par exemple. Ouais. On était au-dessus du Dreisinen, un site qui s'appelle le Dreisinen. Là on passe au-dessus des trois pignons. D'ailleurs là il y a un truc qui m'interpelle.
Là où tu crapules d'habitude. Hein? Là où tu crapules. Ah bah, parmi, oui, ici. Alpha Mike, reçu, au revoir. Votre site favori. C'est l'info Fox Delta Fox. Pour info, on mettra le cap sur des codes et ensuite on fera l'intra. Ok. À 19, c'est bon. Et la forêt travers droit. Voilà, c'est ça. D'accord, donc là on voit bien le suivi. Hein. Hop là. 2400 pieds. Oui, d'accord, LFOX il est là. Voilà, d'accord. LFOX il est là, on va tourner là. Ok. Et après on mettra le cap sur Pithiviers et Montargis. D'accord. QNH B18, FPP, tiens. Ah bon, il y a LFPP là. Ah ben c'est Pithiviers, LFPP. LFFP c'est Pithiviers. C'est ça, d'accord, ouais, c'est ça, on passait au nord de Pithiviers, d'accord. Voilà, c'est ça. Non, au nord, pas tout à fait. On va tourner, on va passer plus au sud plutôt. Bon. Fox Delta Fox, trafic dans une heure, un éloignement 500 pieds VFR inconnu de nautique. T'es reçu Fox Delta Fox, on ouvre là, on n'a pas visuel pour le moment. Fox India Mike, contact 2121 décimal 0, scope 7000, goodbye. Ouais, y'en a un 500 pieds haut donc. Golf India Mike, 2121 décimal 0. J'imagine qu'il va virer d'une manière différente selon l'angle. Ouais. Et après il va plus loin prendre son temps, mais il va faire un virage. Il va couper, ouais. Ouais, il fait pas le virage en droit. Mais non. Heureusement, hein. Ouais, heureusement. C'est mal. Voilà, il commence à virer. D'accord, donc en fait là il anticipe carrément le... Là pour le moment il est encore là, mais il va changer de lègue. Ah, on dirait qu'il y a une trajectoire là, voilà, qui est en train de se dessiner là. Voilà, on voit la... Vous confirmez que vous maintenez le nord des axes à batterie? Bravo, je confirme que je maintiens le nord de l'axe à batterie. J'arrive, je vais pas tarder à couper l'axe. Je vais sur ma gauche pour prendre la base. Et je prends pas contact directement avec batterie. Eco Bravo, vous contactez dès maintenant batterie tour 129 décimal 4. Au revoir. Et au revoir. Alpha Delta Bravo 586 Oxford for information appear 28 in the, to the east of your position in 2 minutes approximately. Décode la trace, c'est bon. Et puis au fur et à mesure, il efface les... Il descend, tu vois. Le plan, d'accord. Quand c'est en violet, c'est que c'est actif. On va là, on se prend à la trace dans 10 minutes. 28-13 exactement. Avec une estimée à 13-33 dans 4-33. Ah bah tout est écrit, hein. Ah ouais, effectivement. Et on sait qu'on a sur le bord, on a 18 gallons encore en réserve, donc il doit correspondre avec ce qu'on a ici. Donc, on fait 9-18, passer avec le temps et descendre doucement à 1210 KNH. On a 18, 9-9-18, 18 ici, et 18 ici, ouais. Donc c'est bon. Ok, transpondeur 7000 et je passe avec le temps. C'est un avion, il y a du boulot, hein. C'est-à-dire que finalement ça te soulage un certain nombre d'informations parce qu'ils te les affichent, etc. Ouais. Mais toi, il faut que tu connaisses de toute façon les procédures pour être sûr et vérifier que les infos sont cohérentes par rapport à... Exactement, même le pilote automatique. Voilà. Reçu, hôtel Mike. Parce que le pilote automatique, il tourne, mais il faut savoir s'il va dans le bon sens. Ça, voilà. Et toujours surveiller quand tu lui demandes quelque chose, surveiller ici qu'il exécute bien ce que tu lui as demandé. Oui, je comprends. Avec ça, il y approche. Merci, mais j'ai juste une petite... Alors ça c'est Pithiviers. Pithiviers, d'accord. Golfe Echo Victor Kilo identifié, transpondeur 70-33 QNH 1018, activité planeur dans les environs. Alors 9 et 9, 18, c'est bon. 70-33 1018 QNH, Victor Kilo. Send Delta Echo Mike, uniform hotel, now 1120, decimal 325. Delta Echo Mike, uniform hotel, radio 5.
1018, unité 0, unité 8, Hôtel Tango. Alors bon, après on va tangenter. Vous pouvez répéter s'il vous plaît. Hôtel Tango 1018, unité 0, unité 8, au CNH. CNH, merci pour Hôtel Tango. Affirme, Oscar Serra. Merci, Oscar Serra. Sanafo, Fox, Colima, bonjour. Fox, c'est Colima, Sanafo, bonjour. Le remorqueur, bravo Roméo, Colima, Moré pour le début de l'activité vol à vol. Reçu, merci, monsieur. Enfin, bonne journée. Mac 3, 5, 6, bravo, contact Paris Control. 1, 2, 5, 10, 4, 4, 5, 0, goodbye. Impeccable, ouais. Ah, là, c'est impeccable, ça se passe très bien. 5, 0. Thank you, goodbye, Mac 3, 5, 6, bravo. Victor Kilo, un trafic dans vos 11h01 nautique, sans pied OVFR inconnu en rapprochement. Visuel. Pas de trafic connu, le vent uniforme. Là, je vais le reprendre parce que sinon il va m'emmener trop à gauche. Donc je vais le reprendre en inning. Ah, inning, c'est moi qui commande. Thanks for the information, don't you come down. Ce qui arrive en face, c'est Pantargis là, c'est ça? C'est d'abord vous. Ah, d'accord. Juliet, uniform, November, janvier. On la voit mieux là. Copy, thank you. Ensuite de là, ça va sur les bombes. Donc la trail et bombes, ça fait ça. On va aller virer là. Ce que tu voulais faire. Tu voulais tangenter Montargis. C'est ça. D'accord. Donc je vais le reprendre à la main pour aller tourner là. Et après on reviendra là. D'accord. D'accord. La 413, quelles sont vos intentions, Saint-Denis? Pour une procédure SDB, suivie d'une remise de gaz, et un départ sur Melun. Tiens, ben là on a une route avec un truc caractéristique. Alors est-ce qu'on trouve ça là-dessus? Je sais pas si c'est l'autoroute A18 ou un truc comme ça. Ouais. On a appelé Tarjis, qu'est-ce qu'on a de beau là? Non, y'a pas ça, c'est trop détaillé là, c'est pas ça. Alors ça peut être... Tango, on va débuter la descente vers son carte comme ça, il y avait des éoliennes juste derrière. À 416. Alors attends, je vais la filmer. Dans 8 minutes max. Ah oui, l'autoroute, d'accord. 5 dans 8 minutes et on poursuivra certainement notre descente. À 416. Voilà, Montargis est là-bas. Là-bas c'est Montargis. D'accord, ouais, on arrive pile. Droite gauche, actuellement niveau 7-0 en transit VFR, Dinotique. Je suis pour novembre, on est Tango pour le trafic, niveau 7-0. Mac 413 en trafic gauche, droite Dinotique, 1000 pieds haut en descente à travers votre niveau en SR 200. D'accord, ça on va tangenter Montargis. Dinotique, Mac 413. Trafic à 2h, 200 pieds bas, on veille. On va rester à 7200 QNH. D'accord, donc là on est ici. Là. On va voir sur la caméra, on est changé. Quoi que non, on n'a pas encore vu ça. Ah bah ça y est, ouais, justement, j'allais dire, sinon on est sur l'autre autoroute. Ok. Ah c'était pas la bonne? Oui, si, il y en a deux. Ah merde. Deux. Là on a un Montargis. Ouais, tout à fait. D'accord. Et le terrain de Montargis, il est là-bas vers l'autoroute, là-bas, on voit les hangars là-bas. D'accord, ouais, je crois que je le vois, ouais. Voilà. Juste en bout d'elle, là. Voilà, c'est ça. Donc là, on est pile ici, là. Juste là. D'accord. On voit mon doigt, ouais, on voit ça, là. En fait, c'est l'intersection des deux autoroutes avant Montargis. Voilà. Je suis en Victor Alpha Papa, WT9 dynamique, en provenance de Fonte. Vrai que là, c'est un vatap, Jean-Luc, comme type de bois, là. Hein? Les champs, intersection d'autoroute. Ah ben, celui-là, tu peux pas le louper. Ah, ça se loupe pas, ça. 2400. Tu la vois pas, c'est que tu la regardes pas. Ouais. Alpha Papa, identifié, transfondeur 70-36, QNH, 1018. Et le 70-36, 1018, Alpha Papa. Voilà, Montargis. Soyez niveau 65 maximum dans une minute. Voilà, et le deuxième point, il est celui qui est là. Max 413, ah. Direct Oscar Romeo. Alors, je pense qu'il est juste de l'autre côté de la... De la... Ouais, c'est ça, on voit autre chose qui croise. Je vais essayer au zoom, avec un succès relatif en général. Ouais.
Bah oui, hein. La 413, recontactez-moi 118.05. Petite base nautique, là, mine de rien. Ouais, c'est ça. Pour être papa, 118.05. Voilà, et celui-là, c'est le deuxième point de passage. Enfin, c'était le point de passage que j'avais vu. Ah, il est là, l'échangeur. Et voilà. Donc, on va reprendre la route sur Eboma. Là, sur le côté, on a de jolies étendues d'eau. Voilà. On va faire route sur Eboma, je vais suivre Juliette Alpha, novembre uniforme, un trafic dans vos 4 à 5 heures, un nautique 600 pieds bas, un WT9. On va aller rechercher notre route sur Pont-sur-Yonne. Sam, rebonjour. Vous n'avez pas encore d'identité, vous êtes comme autorisé. Vous êtes comme autorisé, on a 3562 au transport de trafic en 1430. Voilà, on va aller sur Eboma. Donc là-bas, quelque part à droite, il y a Joigny. Ouais, c'est par là-bas. 7083. Alors, je vais faire une directe Eboma. 8350, identifié radar. Là. Bien pris. Bienvenue. 8350, début du service de contrôle, 400 niveau 65 en montée, rejoignez Direct. Voilà, direct, activate, c'est comme ça on va direct. Voilà, on fait la directe d'Eboma. Ah, et j'avais pas fait gaffe, et au fur et à mesure, la route qui est terminée, elle s'efface. Parce que je lui ai demandé une directe. Ah, d'accord. Hein? Ah, ok. Ah, ça a changé de mode. Voilà, j'ai changé de mode, je lui ai demandé une directe, et après, il reprendra sa route. Ok. Qui fait la directe directement de la position, quoi. Ouais. Voilà. La 8 et 8, c'est bien. Alors, Eboma, c'est un point IFR qui est à côté de Pont-sur-Yonne. Ok. Faudra qu'on se méfie un peu. Bon, il n'y aura pas d'A380 qui va nous tomber dessus là. Non, mais enfin, il y a peut-être des planeurs. Mais... Oui, Pont-sur-Yonne, ouais. Ouais. Donc, ça qu'à un moment donné, j'étais passé plutôt vers l'est. Enfin, ouais, bon, en fait, de toute manière, quand on a ça à proximité de Sens, on arrive sur l'autoroute et après, on peut suivre l'autoroute qui nous emmène justement vers l'est-sud-est de Pont-sur-Yonne. C'est pour ça qu'après j'avais choisi ce deuxième point là, pour pas être trop proche. Alors on a une ligne de tension, mais de faible intensité. Bon, là, on la voit, elle est là. Juste ici. Ouais, 8350. 8350, vos attentions à 3. Remise de gaz et un départ IFR sur Pétain. Lima Fox Québec Echo. Reçu 8350. Fox 113 pour débuter la descente dans 8. 413, reçu. On a perdu l'hélice, on la voit plus. Ah ouais. Au 7, 0, pas de trafic. On la voit rarement. Hein. Ouais. En vol, quand tu la vois, c'est grave. Fin du contrôle. Ouais, c'est clair. Merci. Je confirme. Simulateur, j'ai déjà eu 2-3 pannes en moi. Ah ouais, moteur. Ah ouais, ouais. Ah mais aussi, au simul, c'est bien. En réel, c'est bon, bah ici. Ah ouais, c'est moins drôle. Oh, ici, on se démerde, hein. Y a, ouais, y a ah des bah champs, oui. Hein. Et là, t'as des champs, ils sont magnifiques, là. Ouais, là, c'est bon, hein. Enfin, encore faut-il qu'ils soient bien placés par rapport au problème que tu as. Ouais, mais là, ça va, quoi. Là, on peut encore s'en sortir. Ouais. Faut éviter la droite, et on va à gauche. Voilà. Pêche en termes d'exercice d'IVV, Ouais. Ben, j'avais adoré quand on avait ça avec Pierre. Ah ouais? C'est vraiment excellent. Ah ouais? Et c'est là où finalement tu te rends compte de ce que veut dire que piloter. Moi c'était la conclusion parce que on faisait des tours de piste et depuis un petit moment et donc ce jour-là on m'avait dit tiens, pour changer on va faire de l'IVV. Ouais. Donc on sort, etc. Et donc tu t'habitues à faire des tours de piste et puis voilà. Donc là tu te rends compte qu'évidemment il faut que tu pilotes ta machine, ils me disaient on va là-bas, enfin on va, tu choisis le champ, tu fais ce qu'il faut, etc. Donc moi il faut que je manie l'altitude, la vitesse, le machin, enfin je me démerde, il faut que je pilote l'avion.
c'est une différence. Et donc tu commences vraiment à sentir ce que ça veut dire bien piloter. Parce que là, pour le coup, on n'était pas sur un cours. Quand on fait un cours, il m'apprend un truc, etc. etc. Ça, c'est l'autoroute à 6. Hein. Ah, d'accord. Je pense. Ouais, ça, c'est la 6. Bah, écoutez, on a quitté le niveau 85. On passe 4000 en descente vers 2000. Il y a un patelin qui s'appelle Courtenay, là. C'est ça, Courtenay, ouais. Alors, attends, donc si je suis la carte, on arrive comme ça. J'appellerai en vue du terrain de Fontenay, QNH 18, c'est côté nord. Ah, mince. Courtenay, c'est là-bas. Alors, uniforme rappelé en vue du terrain. Ouais, c'est un peu plus loin. Pas en vue du terrain 3, nord uniforme. C'est légèrement même derrière nous maintenant. 17 en service à 3, quelque chose. Peut-être le bled qu'on voit là-bas, en bout d'aile. Ouais. Ouais, parce que l'un des bains 83-50, on reçut, après... On voit la centrale de nos gens, là. Yankee, pour la... On la voit bien, ouais. Ça, on voit bien, c'est... Ah, il y a une superbe ici, là. Fox Alpha Papa. Alpha Papa. Alpha Papa, bonsoir, trafic de l'être inconnu, actuellement dans vos 1h pour 5 nautiques sans s'opposer, 15 centimes en montée. D'accord, on est dans ces zones-là. 413, fin du service de contrôle, pas de trafic connu, QNH 1017 à Orléans. QNH 1017 à Orléans, NFL 413. Puis après, pour l'instant, dans le visuel, je vois les yeux. Ah, pour que ça se rallume à identifier radar, que la chemise des gîtes et les zones de Châteaudun ne sont pas actives. Fox Sierra Lima, identifié radar, QNH 1018 est bien reçu pour les zones de Châteaudun, merci. Salam Bo de Fox, Hôtel Oscar Sierra. Oscar Sierra, bonjour, je vous rappelle. Fox Oscar Sierra, c'est l'info, bonjour. Fox Oscar Sierra, un P218, deux personnes à bord en provenance de Pont-sur-Yonne, en direction de Troyes, actuellement à 2400 pieds, à 4 minutes à l'est de Pont-sur-Yonne, pour les infos trafic. Oscar Sierra, reçu identifié radar, recyclé 7040 et recontactez-moi 120, décimal 325. Transpondeur 7040, on vous recontacte sur la séquence 120.325. C'est correct. On voit la cathédrale là. Ouais, c'est ça. Golf X-ray, le trafic est signalé vers. On est bien comme ça et bon mince. On va pas tarder de tourner. Ok, merci pour l'information, Fox Golf X-ray. On est sur le 413, et déjà présent contacté Saint-Denis Info pour la suite 122 décimal 4. Ensuite 413. Voilà, on va tourner sur Brest. Fox devant moi, Hôtel Tango. On est au niveau. On est à 2000 pieds et on est en vue du terrain. Hôtel Tango, reçu 7000, quittez la fréquence et à la prochaine, au revoir. 7000 et 1018 au CNH. Alors le terrain de Pont-sur-Yonne est là-bas. Au revoir. Est-ce que tu veux que je le prenne? Je veux le voir sur ton côté. Bah sur ma droite, si c'est possible, ouais. Bonjour. Je vais prendre un petit peu en idée. Bonjour. De façon, est-ce que tu l'as? Bon, je vais pas droit. Normalement, Oscar Sierra, identifié radar, même contrôleur et appelé en vue du terrain de 3. Fox Oscar Sierra. Contrôle en uniforme en vue du terrain pour repasser avec leur fréquence, libère 3000. Répétez. Le Fox avant uniforme qui libère 3000 pieds et commence à descendre vers 3 en vue. Devant uniforme, on reçu 7000, quitter la fréquence et 3 info, 123 décimales, 7, 2, 5, au revoir. 725, bonne soirée, devant uniforme. Tu as le terrain de Pont-sur-Yonne qui est là-bas. Alors... Là-bas, tu vois les planeurs là-bas? Mais ça va. Ah si, je vois une piste, ouais. Enfin, je vois quelque chose, ça doit être ça, voilà. Ouais, d'accord. Ok, donc, si je vois les hangars. Je vais rester comme ça. C'est pour, parfait, pour pas impeccable. Trop aller les embêter. Tout à fait, comme ça on les enquiquine pas et moi je les visais le vide. Voilà. Que c'est pareil, après si on est trop près, de toute manière, tu passes trop vite et... Ouais, voilà. Pas le temps d'admirer, tandis que là on a une bonne trajectoire. Voilà, 8 et 7 c'est bon, sur le transfert. Si on va faire kilo, 10 kilos de fric.
Oui, bonjour, Delta Kilo, climb flight level 1.0 inbound to Ballon. Donc là, évidemment, j'ai une pensée un peu particulière pour un ami. Ah bon? Ah ben oui, il habite dans les parages. Ah d'accord. D'ailleurs, le malheureux, il reprend son travail aujourd'hui. Ah, c'est ça, c'est moins drôle. Ah non. Merci beaucoup. T'as repris le boulot, Pascal? T'as repris le boulot? Ben moi, j'y suis depuis juillet, donc... Moi, les vacances, c'est dans 3 semaines. Voilà, bon sérieux, magnifique. Excellente trajectoire, Daniel, excellent. Et après, on ira sur Braek, là-bas à droite. D'accord. C'est l'info, le Fox Hotel, Oscar Sierra, bonjour. Oscar Sierra, je vous retrouve avec même contrôleur. Si, Oscar Sierra. Voilà, alors on passe bien sur le terrain, on gêne personne. Ouais. C'est parfait. Et là, on va passer le bled, là, et puis on va aller sur Braek. Allez, on va faire Braek, la position, hop, Braek, activate. Et voilà, il va y aller tout seul. Allez, une petite vue encore sur... Parfait comme altitude, parce qu'on voit vraiment bien. Ouais, ben voilà, c'est... C'est fou, ça. Pour faire des prises de vue, il faut pas aller trop haut. Clair. Et regarde là comment on est à la rivière là. Bah, Lyon, hein, tout simplement. Hein. Bah, ça doit être Lyon, je pense. Ah, ouais, bah, oui, ouais. C'est Lyon. Hein. Bon, on doit pouvoir attraper Nogent là. Ah, Nogent, il est un peu plus. Il est un peu loin là. Là, on converge sur la route, c'est parfait. Et le caméscope, il les voit, les listes. Ah, les trois pales. Ah ouais, ça c'est chiant. Bon, enfin, tu vois juste un truc qui passe comme ça, léger. Ça, on peut rien y faire. Non. Ah ouais. Et là, il est combien? 2000... Ah, 2030 tours, hein, il est... Ouais. 2030 plus ou moins 10, hein, 20 max. Ouais, 2030 tours. Et c'est... Ce sont les tours hélices, hein, c'est pas le tour moteur. Hein. Ah d'accord. Ouais, ah oui, c'est... ok. C'est un pas variable... Pas variable. Automatique. Ok. Ce ne sont pas les tours moteurs. La puissance moteur est faite avec le torque, hein, en pourcent. Ok. Donc notre puissance, on la regarde avec ça. On la regarde pas avec ça. Alors, est-ce que tout va bien à bord? 8 et 7, c'est parfait. 8 et 7, 15, on a encore une heure et demie d'autonomie, donc. Ah oh bah ça va alors. Ouais. Là, on arrive à Brie et ensuite Brie va nous emmener sur PLE. Hein. Là on a un éclairage de fou avec une visibilité de dingue. Bonjour, Fox Lima India. Fox Lima India, cette information, bonjour. Fox Papa Alpha Lima India, un Europa provenance Tosu, destination Ambroise, actuellement 3000 pieds en entrée de secteur. Fox Papa Alpha Limedia, on identifie radar recyclé 3-4 unités 3 QNH 1018 et répétez le type avion. 3-4 unités 3018 et l'avion est un Europa Echo Uniform Papa Alpha. Reçu Lima India et QNH 1018 et pour info, Châteaudun n'est pas actif pour l'instant. 18 et Châteaudun inactif, Lima India. Pas actif. C'est l'info de Fox Golf Charlie Romeo Hotel, bonjour. Fox Golf Charlie Romeo Hotel, c'est l'information, bonjour. Fox Golf Charlie Romeo Hotel, un Romain Eglon en provenance de Mimizan à destination de Beau, Lima Fox Papa Echo. Deux personnes à bord, transpondeurs à bord, et nous venons d'être libérés par avoir à Salisbury. Fox Romeo Hotel, identifié en question, transpondeur 7044, il continue le terrain de départ. Mimizan, le terrain de départ et le 7044 transpondeur Romeo Hotel. Romeo Hotel, c'est correct. Il y en a bien toutes ces zones aquatiques là qui ah. entre ici et justement quand on remonte sur nos gens là-bas. Ouais. Alors, bon,
Ouais, c'est très beau. Voilà. Votre bathymétrie est activée au max, là. Regarde-moi cet éclairage. Ah, c'est bien. Bon, alors maintenant, le jeu va consister à se retrouver sur la carte. c'est Longueville, la ville. Il y a le viaduc. Ça s'appelle Longueville. C'est l'info, bonjour, de Fox Juliette, bravo Oscar X-Ray. Fox Juliette, bravo Oscar X-Ray, c'est l'information, bonjour. Longueville. Bonjour, Fox Oscar X-Ray, ULS, deux personnes à bord. Provenance de Haguenau à destination de Niort. Nous sommes à 4500 pieds, venons de passer 9 châteaux et 330 7000. Donc on était parti comme ça, là, d'accord. Ah ben, province, c'est juste derrière, en fait. Province, c'est là-bas. C'est après. Là, c'est Longueville, il y a un musée de vieux trains. Ah, c'est celui-là ici qu'il est. D'accord. Ah ben, je comprends pourquoi il est là, en fait. Voilà. Et au musée, et aux journées du patrimoine, ça se visite. C'est l'information, des voyages en train-vapeur et tout ça. Ok, tu m'étonnes. Voilà, comme ça je vais t'approcher de Provins. Fox Bravo X-Ray, Romeo Delta, R400, en provenance de Redon à destination de Saint-Saint-Nicole. Actuellement, l'inotique. Regarde, il y a un train qui passe sur le pont. QNH 1018, c'est 7000 de profondeur, une seule personne à bord. Fox Bravo X-Ray, Romeo Delta reçu, transpondeur 3-4 unités. Ah, je vais t'approcher de Provins sans trop le. Ouais. Ah, parce que bon, on n'est pas assez haut. Hein. Fox Romeo Delta, transpondeur 34-16. C'est bon. On a encore 2 heures de. Transpondeur 34. On a encore 2 heures d'autonomie, donc ça va. Romeo Delta. C'est correct. Je vais t'approcher un peu. À la prochaine 1450, sont actifs maintenant. 3 informations sur le point d'estimage 7251. 7251, Fox Hotel Victoria, ça peut pas en sortie, 7000 quitter la fréquence et Paris Info si vous le souhaitez, 126 unités, au revoir. Aussi, au revoir, merci, bonne soirée. Oscar Sierra. Oscar Sierra, je vous. Oscar Sierra, trafic VFR, viatique à votre position, gauche, droite, Papa 2008, stable 900 pieds bas. Pas visible du trafic, mais on se surveille, sur le quartier. Pour ce Limaïdia. Limaïdia, j'écoute. Limaïdia, venir en trafic VF actuellement dans vos 2 heures pour 5 nautiques sans s'opposer, Cyrus stable 300 pieds haut. Je surveille, Limaïdia. Pour ce Mike Charlie Golf X-Ray. Pour ce Mike Charlie Golf X-Ray sur la fréquence. Bon. Nickel. D'accord, allez, on fait la directe écho. Fox Mike Charlie Golf X-Ray, c'est l'info. Nav, allez, emmène-nous à l'autre. C'est bon, X-Ray Romeo Delta identifié, radar QNH régional 1018. Envoie l'ombre encore. QNH régional, bien reçu, Fox Romeo Delta. Et Romeo Delta, vous pourriez faire un relais vers le Fox Golf X-Ray pour lui demander sa position. Fox Golf X-Ray, correct? C'est correct. Mais on n'en encore pas. Allez, je vais en remettre un petit transfert. Un transfert? Ouais, je vais en remettre un petit galon à gauche. Alors un petit galon, c'est 3, voilà. Quelque chose de libre. Voilà. Alors normalement, c'est un galon par minute. Hein. C'est très rapide la pompe. Okay. Ouais, tu vois, on a déjà regagné, on avait 6, on a 7. Alors, il y a un truc à faire sur cet avion-là, parce que c'est facile de l'oublier. Ouais. Et de refiouler complètement celui-là, et de vider l'autre. Ouais. Enfin, il y a une sécurité que quand le réservoir est plein, la pompe s'arrête. Mais le résultat, au nord du circuit, c'est que ton avion est déséquilibré. Ah oui, ok. Forcément, là, pour le coup... Eh oui. Donc il faut toujours bien... Trafic a passé le travers tour, hein. Nord sans s'opposer, il est pour Romeo Victor dans vos 2 heures. Il faut bien surveiller ça, quoi.
Il fait une conso horaire de combien celui-ci? Ça m'aide rien. C'est pas habituel, hein, c'est juste pour un point, il est à 2 nautiques latérales. Merci. Ah, on est à fuel flow, on est à 6,5. 6,5, d'accord. Donc comme un DR400. Ok. 25 litres, ouais, en gros. Ça te fait du 1 gallon par 10 minutes, quoi. Ouais, c'est ça. Il est économique comme avion. Ça me dit quelque chose, là, cette clairière-là. Eh ouais, tu vas pas y échapper, Jean-Luc, tu vas pas y échapper. Avec ça, avec toi, je pouvais avoir confiance. Ah ben, c'est clair. Hein. T'as cru que jusque-là, ça serait bon, mais non. Ça va un peu gâcher ta vidéo, mais enfin, non, ça, je t'aurais prévenu. J'ai trois caméras, donc tu vois, pendant qu'il y en a deux qui te filment, la troisième, elle filme Daniel. Cameraman. Ah, j'avais pas vu. C'est à mon insu. Tout à fait. On voit que c'est comme ça que c'est le mieux. Mais... J'ai pas la tisse toujours. Non, on est encore loin. Alors ça, c'est Fontenay de Résigny, le terrain de Fontenay, il doit être là-bas vers et le bois. Et quelque part sur la droite, là. Non, il est sur la gauche. Je vois là-bas, il est au coin du bois. Attends, je suis en train de régler ce truc, hein. Voilà. Il est là-bas, au coin du bois. Coin du bois. Ouais, là-bas à gauche, je pense. Il est dans tes 11h. Il est là-bas, je vois la piste. Ouais. Ouais, il est là-bas. Ah, ça y est, d'accord. Ouais. Ok, ouais. Je pensais qu'on y arriverait avec un peu plus d'angle dessus. Ouais, mais bon, on va pas s'approcher de trop. On a notre ratisse de la réunion. Ah, ça commence à venir. Bon, là, on est revenu à la maison, comme qui dirait. Home sweet home. Bon, ben voilà, t'as vu, ça se termine déjà. Hein. Ouais, c'est ça fou va. Ça. Ça va vite, hein. Ça va vite, ça va très vite. Ça va très très vite. La tour Fox Delta Fox, rebonjour. Fox Delta Fox, la mieux tour, rebonjour. Oui, Fox Hotel Papa Delta Fox, on est retour de local par l'est, on est à 2 minutes 30 d'écho avec India. Delta Fox, transport 3730, rappelez écho. 3730, on rappelle écho, Fox Delta Fox. Alors, 3730, voilà. Alors, on va allumer les phares. Je vais le reprendre à la main. Voilà, c'est moi qui travaille. Yes. Ça bouge. Il chahute, hein. J'ai presque passé auprès de mon ancienne maison. Ah, t'as reconnu? Ouais, mais si Saint-Georges, tu le reconnais, hein. Ah bah oui. Ah non, plein dessus, là. Ouais, Fox Delta Fox, on passe écho. Fox Delta Fox, rappelez vent arrière 08. On vous rappelle établi vent arrière 08, Fox Delta Fox. Allez, on va réduire. 50%. Allez, on va faire chuter la vitesse. 110 nœuds. Ah, déjà pour le premier cran. Ah, regarde un terrain qu'on connaît bien. Allez, 110 nœuds, volet 1. Là, on est à 102, c'est parfait. 1200 pieds, avec. Volet. Voilà, on est volet 1. Là-dessus, tu vois, on sort le premier cran à 110 nœuds. Donc en dehors de l'arc blanc. Yes. Pour le ralentir ou c'est pour porter? C'est pour ralentir aussi, et puis c'est pour avoir plus de portance à faible vitesse. Oui, d'accord. On modifie le profil de l'aile. Et je pensais pas qu'on le sortait en dehors de l'arc. Sur cet avion, si. Bon. Par contre, le deuxième cran, c'est dans l'arc blanc. D'accord. Le premier cran, c'est 110 nœuds, et sur le Cirrus, c'est même 120 nœuds. Ah, ok. Je sens qu'on a ralenti, hein. Ah bah oui.
Ops. On vient de se prendre 32 en moins là. Ah ouais, Corse, c'est la petite. Voilà, je vais faire un pseudo ILS. 180. 180. Voilà. Elle a travers. Bon, apparemment, il n'y a personne, il n'y a pas de vent. Vu, hein, on tire les 1200 pieds tranquille, hein. Ouais, ouais, ouais. Voilà, on va virer. Et 87,2, t'as l'impression de ramer d'un coup. Ah bah oui. C'est extraordinaire ça. Ah bah c'est sûr, hein. Les 30%. Et voilà, regarde Jean-Luc Paris, Tour Eiffel et compagnie. Ouais, ouais. Allez, au cap 180. Ça vire. Très doux à basse vitesse, je trouve. Ah oui, oui. Allez, deux crans de volet. Alors là, on va... Là, ça va nous freiner. Ouais, on sent bien. On arrive en finale, Fox, Delta Fox. Delta Fox autorisé, atterrissage 08 durant 160 degrés de nœud. Transpose 08 durant. Il est beau quand même, hein. Oui. Là maintenant, Jean-Luc, hein, au prochain landing. Ah, oh, je vous fais la même chose. Voilà. Tant si mu, tu le sens jamais. Voilà. Bah maintenant, tu vas le sentir. Le sol Fox, Delta Fox, bonsoir, 08 dur dégagé pour Sadi. Fox Delta Fox, roulez, quittez à Sadi, bon après-midi. Ouais, on roule, on quitte à Sadi, bon après-midi, madame. Oui. Fabuleux, hein. Ouais, ouais. Oh, c'est un truc de fou ça. Quand on voit comment c'était plombé quand on est arrivé ce matin, finalement le temps qu'on a eu, ouais. C'est génial. Sur cet avion, c'est quand tu arrêtes le moteur, il se bloque. Ça fait bizarre. Tu vas voir, il va faire. Paf ! Allez, on va l'arrêter. Tu vas voir. Ah, ouais, effectivement. Ouais, c'est brutal. Ouais, c'est brutal. Bah, c'est la conception du. Alors, Electric Master, donc ça, on a les croix, on enlève. Ok. Et voilà. Et voilà. Ah, quand même. Ça fait du bien. Ah
bah oui, là, allez, vas-y. Ah, one ou deux doigts. Ah, ah, ouf. Ah. Formidable. Fait du bien. Formidable, formidable, alors, formidable. Le compteur, il est à 24.